Aujourd'hui, je me trouve à Nikkō, où se trouve le temple Toshobi. C'est un temple relativement très grand. Et je vous laisse le plaisir en fait, d'admirer un peu à quoi ça ressemble. Donc ici, ce ne sont que les pavillons extérieurs, ce n'est pas encore le temple. Donc malheureusement, le temple principal, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment pas de chance en ce moment au niveau des temples. Il y a beaucoup de temples qui sont en réparation au Japon. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, là c'est la partie principale, elle est en réparation. Donc vraiment c'est la partie qui est vraiment la plus belle. Maintenant, on voit ce qu'il y a à côté, imaginez là, ce qui pourrait se trouver quoi. Donc je vais avancer, c'est pas évident parce que c'est la grosse caillasse. Donc c'est un lieu assez touristique, que ce soit par des gaijin, comme les japonais nous appellent, donc des étrangers, ou par les japonais eux-mêmes en fait. Ce n'est pas réservé aux étrangers, il y a vraiment beaucoup de japonais aussi. Donc voilà, là j'arrive devant l'entrée du temple principal. Donc c'est incroyablement beau. Sachant que tout est fait en bois, donc c'est un travail de malade en fait. Comment dire, vraiment des doigts de fée pour faire tout ça. Ici j'ai l'entrée principale. Là j'ai encore un autre pavillon, une autre tour. Et là, je vais rentrer. Donc, moi, comme vous pouvez le voir, c'est en réparation. Hein. Je ne peux trop rien y faire. Ah voilà, là le temple. Waouh. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Allez, je fais un petit tour d'horizon et puis j'arrête la vidéo. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, c'est un bon tour d'en profiter. Allez, ciao !